dans les tutos de l'équipe du matin, on bouge les meubles. Greg a décidé de nous faire faire du sport. Yes, c'est vrai qu'avec tout l'été, avec les vacances d'été, les apéros, les barbecues, le fait de manger à pas d'heure du tout, c'est vrai que le problème chez les mecs, dans un premier temps, chez les femmes aussi, bon, c'est vrai que n'a pas trop ce problème-là, mais par contre, c'est vrai que les femmes et les hommes, c'est vrai qu'on a tendance avec la période estivale de prendre du poids directement dans le bide, directement dans le cul, ou alors même sur les jambes, c'est l'huile qui vient et tout ça. Et en fait, il y a des tests qui ont été faits, et en un mois, on peut retonifier tout ça, on peut faire prendre des muscles au niveau des fesses, on peut retonifier vraiment la partie abdominale et surtout faire perdre la cellulite et surtout l'intérieur des cuisses. Ce qu'on va faire, est-ce que... Pas sur les exercices, hein, je te dis pas dans les tutos de l'équipe du matin, si je te dis tire-bouchon avec étoile de mer. Voilà, on reste sur l'apéro pour apéro te motiver. Crustacé. Si je te dis jumping jack. Ah, ça je sais faire. Voilà, nickel. Mets les jambes un peu plus, peu plus droites, voilà. Vraiment face à la caméra. Ok, bien montrer aux auditeurs. 1, 2, 3. Combien on en fait? Allez, jusqu'à 10. 7, 8, 9, 10, 11. Vas-y, continue, c'est pas grave. Ok, ça va. Ensuite. Bon, ensuite, tu as ce qu'on appelle vraiment pour pouvoir continuer à muscler. Tu peux muscler le haut du corps et surtout que les fesses commencent à bien tirer un peu. Ça, et ça on finira par quelque chose qui va vraiment te piquer et qui vous piquera toutes et tous quand vous allez pouvoir le tester. C'est tout simplement venir toucher le pied opposé avec la main opposée, c'est-à-dire pied gauche, main droite. Pied droit, main gauche. Donc en gros, on a juste à redescendre. Je vais le faire avant que tu me mettes une baffe. Rotez comme ça, tu écartes bien les jambes pour pouvoir ensuite. Tac. On touche le pied opposé. Tac. D'accord. Et ça, c'est bien, on n'a pas besoin de matériel pour se muscler. Fais-le, tu vas le sentir juste derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Et ça, tu peux le répéter environ 3 fois avec toujours une pause de 10 ou 15 secondes entre. Et alors, on finit par le caca derrière buisson. Qu'est-ce que c'est le caca derrière le buisson? C'est dégueulasse hein, quand on en parle comme ça. Le caca derrière le buisson, c'est tout simplement le squat. Les squats, c'est pour pouvoir tonifier, mesdames, les fesses, même pour les c'est mecs, hein, pour dur, avoir ça, des fesses un peu plus rondes. Donc en gros, déjà, tu remontes bien. T'es pas comme moi, t'as pas un jogging. Donc en gros, tu vas être comme ça, tu vas te mettre comme ça, comme si t'allais prier. Voilà, tout simplement. Et ce que tu vas faire avec l'écart que tu as entre les jambes, toujours pieds qui resteront bien au sol. Il ne faut jamais que ton talon ne se lève, sinon ça ne sert à rien et tu vas te faire mal. D'accord. Et en gros, tu vas venir descendre comme si tu allais pour aller au popo. Et tu viens vraiment comme ça, toujours avec le dos droit. Ok, voilà. Et comme tu ça, remontes, plus bas. T'en fais 10. Tu peux te mettre comme ça, vraiment comme si tu étais sur les toilettes. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Okay. Bon, voilà, tu descends plusieurs fois. Allez, on en fait 5 et juste après, une petite surprise. Tac. Voilà. Déjà 5, tu sais, tu sens déjà que ça. Ouais, ça tire quand même déjà sur les cuisses, ouais, j'avoue. T'as les quadriceps qui commencent à bouger, et en fait, plus tu vas descendre, plus ça va tirer les fesses. Tu peux faire combien de séries ça alors pour être ça, tu peux en faire 5, enfin, tu fais 3 séries de 5, ce qui fait que ça t'en fait 15. C'est tout. Et alors ensuite. Des poids. Je ne vais pas vous ménager, Ursula, okay. De l'équipe du matin. Si on n'a pas de temps, on peut prendre une petite bouteille d'eau. Oui, tu peux prendre une bouteille d'eau d'un litre 5, et voilà. Tu le prends comme un volant. Mmh. Et on va refaire la même chose, toujours en gardant vraiment tes bras. Bien droit face à toi. Ok. Et alors tu fais la même chose. 1, 2. Ah, tout de suite on le sent plus, 3, ouais, 4, 5. Voilà. Ah ouais. Bon, chez le géant du sport, hein, on l'a tous partout chez nous. Ça, tu vois, j'ai carrément la barre avec les haltères. Tu vois, ça peut vous coûter maximum 15 euros. Pour 15 euros, en un mois, tu te refais le ventre, tu te refais les fesses. Ouais, mais bon, si on ne peut pas faire de frais, la bouteille d'eau, c'est bien aussi. Hein. Oui, carrément. Franchement, on en a toujours à la maison. Bon. C'était les tutos de l'équipe du matin. Il est fatigué. Il est fatigué.